Merci. Voilà. La parole est à Madame Annie Genevard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la gestion de la crise sanitaire à l'école par votre ministre de l'Éducation nationale au cours de la semaine passée a été un fiasco complet. Que dire de la méthode ? Quand le premier protocole sanitaire a été présenté sur un média payant à 17h la veille de la rentrée ? Que dire encore de ce protocole totalement ubuesque et intenable ? Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous en finir avec cette improvisation permanente qui décourage professeurs, parents et élèves ? Quand allez-vous anticiper les conséquences de vos décisions avant de les imposer aux Français dans la précipitation ? Bravo, Annie, bravo. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Annie Genevard. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais le sentiment que vous étiez quelqu'un qui avait le sens des responsabilités. Vous avez répété des éléments de langage dont vous savez qu'ils ne sont pas exacts. Les cris ne changent rien, Mesdames et Messieurs les députés. Vous avez répété des éléments de langage dont vous savez qu'ils ne sont pas exacts. Par exemple, le protocole, vous savez très bien qu'il vient de la Haute Autorité de Santé publique et que nous avons transposé précisément pour avoir de la sécurité sanitaire ce que nous demandait le Haut Conseil de la Santé publique. De la même façon, le dimanche en question, nous avons diffusé sur Internet gratuitement l'ensemble des détails sur la foire en question. Donc, répéter des choses erronées ne grandit personne. Simplement parce que ce que vous avez envie, c'est de faire de la polémique à partir d'une situation qui est en effet une situation de crise. Et dans la situation de crise, on voit ceux qui ont le sens des responsabilités et ceux qui cherchent à les exploiter. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. S'il vous plaît, un peu de silence. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, vous choisissez une posture politicienne alors que vous devriez nous proposer une réponse dans la clarté et l'humilité. Vous ne pouvez pas rester sourd à la désorganisation complète du pays, mais regardez autour de vous. Il n'y a pas une de nos villes en France où nous n'ayons des files d'attente à la soviétique devant les pharmacies et les laboratoires de testing. Dans le froid hivernal, des parents et des enfants très jeunes qui doivent attendre. Si vous ne pouvez pas apporter des réponses à cette situation, je ne sais pas lequel de nous deux manque de sens des responsabilités. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre. Et un peu de calme aussi. Madame la députée, sur chacun de ces sujets, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'il faudrait faire d'autre que ce qui a été fait. Par exemple, est-ce que vous auriez fermé les écoles la semaine dernière ? La réponse, oui, oui. Eh bien, les Français jugeront. Vous vouliez fermer les écoles, nous ne voulons pas fermer les écoles. Est-ce que vous considérez qu'il faut faire plus de tests ? Il y a quelques semaines, monsieur le député Hetzel me demandait d'en faire beaucoup plus. C'est ce que nous faisons. Vous avez changé d'avis depuis ? Est-ce que vous avez changé d'avis ? Nous avons fait ce que vous réclamiez justement sur ce point. Et puis enfin, en troisième lieu, ce que nous recherchons, c'est évidemment de nous adapter aux situations quand elles évoluent. Nous avons justement entendu ce problème des files d'attente de la semaine dernière. Et c'est précisément pour cela que le Premier ministre a annoncé qu'il y aurait désormais 3 autotests. Et c'est évidemment un soulagement, notamment pour les familles, pour simplifier la vie quotidienne, tout en allant à l'école et assurer la sécurité sanitaire. Bien, s'il vous plaît, un peu de calme. La parole est à Madame.